Eh bien salut tout le monde, c'est Jean-Fils, aujourd'hui une vidéo concernant Fortnite Battle Royale. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous ne vous avez jamais posé la question de comment avoir des V-Bucks gratuitement? Est-ce que c'est possible d'avoir des V-Bucks Fortnite Battle Royale gratuit? Tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de mettre de l'argent dans ce jeu qui est de base gratuit. Tu ne vois pas le principe de mettre de l'argent dans ce jeu. Et justement, des gens profitent de cette faiblesse pour arnaquer les joueurs. Je vais durant cette vidéo, les amis, aller sur Google et chercher après des sites qui pourraient nous générer des V-Bucks gratuitement. Je vous avais déjà fait ce genre de vidéo dans le passé où je vous montrais des sites et des générateurs qui pouvaient nous générer gratuitement des V-Bucks. Mais dans les commentaires, il y avait quand même des gens qui croyaient toujours. Je disais, Jean-Fils, tu te trompes, arrête de mentir, les générateurs, ils fonctionnent. C'est pour ça que là, ça m'a donné de faire une deuxième vidéo. On va repartir chercher des nouveaux générateurs, des générateurs qu'on n'a pas encore vus. On est parti directement, let's go. C'est parti les amis, nous sommes sur ce premier générateur de V-Bucks. Donc premièrement, le site, quand je regarde, il est plutôt sympathique. Il est plutôt joli avec le petit background, petit Fortnite et tout. Il est en anglais. Generate Unlimited Fortnite V-Bucks. Ça veut dire générer une infinité de V-Bucks que vous voulez. Boost your account. Voilà, ok. Donc là, il nous demande get started. Je lance. Ok. Il nous dit les instructions. Entrez votre username Epic Game. Donc, entrez votre pseudo. Sélectionnez le montant de V-Bucks que vous désirez. Cliquez sur générer et attendre que les V-Bucks soient finis de générer. Oh, ça a l'air si simple. Et dernière étape, les amis, complétez la vérification humaine. Donc, il faut montrer que tu es un humain et pas un robot. D'accord. Ah ben, du coup, on va cliquer sur Generate Now. Ok, donc il nous met juste en dessous V-Bucks Generator. Username. Ben, écoutez, on va entrer notre petit pseudo. Moi, mon pseudo Epic Games, c'est Jean-Fils. Voilà. Ok, donc là, on va se connecter. Connexion à l'utilisateur Jean-Fils sur Epic Games Server. Okay. Donc là, il se connecte sur mon compte. Déjà, comme ça, sans avoir mis mon mot de passe, comme ça, il sait se connecter. Ne t'inquiète pas, ce site est entièrement sécurisé. D'accord. Sélectionner le montant de V-Bucks que je désire. Donc là, on a 500. Je peux baisser à 0. D'accord. Oh ouais, là, je veux le maximum de V-Bucks, mon ami. Je veux le maximum. Et le maximum est 13 500. Je veux avoir 13 500 V-Bucks dans mon compte gratuitement. Ne vous inquiétez pas, tout est sûr. Déconne, bien évidemment. On va voir si c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, franchement, dans les commentaires, ils disaient, genre, fils, les générateurs que tu as montrés, ils fonctionnent. On va voir ça, on va voir. Générer. Ok. Fait un petit chargement. Ok, tranquille. Voyons. Là, il s'authentifie, d'accord. Il écrit des trucs tellement bizarres. On va voir si on va avoir nos V-Bucks. Hein. Ah, j'ai oublié. Il y a aussi la vérification humaine pour voir si je ne suis pas un robot. Mais sans déconner, pourquoi tous les sites de V-Bucks, des générateurs de V-Bucks, ils me demandent si je suis un robot ou pas? Je suis pas un robot quand même. C'est un truc de ouf. On va voir. On va voir la fin du chargement. On va voir si on va réellement avoir nos V-Bucks. Donc là, il continue à nous faire croire qu'il est en train de générer les V-Bucks sur mon compte tranquillement. Il n'y a pas plus facile que ça, mon ami. Et nous passons à que voici. À what the fuck. C'est justement là. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas cliquer. Si je clique, je me fais arnaquer. Parce qu'en fait, il va te voyer. Bah écoutez, on va cliquer pour la vidéo. Par exemple, what the fuck. On va cliquer sur cette page-là. C'est vraiment juste pour vous montrer. Parce qu'en général, il ne faut vraiment pas cliquer sur ce genre de site. Qu'est-ce qui va nous. Oh, yo, yo, je... Ouh, bonjour madame, bonjour madame, c'est what the fuck, tu vois, de base, je suis là pour faire des générateurs de Fortnite et je me trouve sur un site, what the fuck, bro. Donc là, il va me demander, sur ce genre de site, en général, il te demande ta carte bleue, ton numéro de téléphone, ton email, c'est le genre de site, il faut pas mettre son truc, sinon tu vas te faire arnaquer, bro. Bref, premier site, pure arnaque, voilà. Passons au deuxième générateur, les amis. Est-ce que celui-là va fonctionner? Je me le demande bien. Est-ce que vous demandez? Hein? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires. Les arnaqueurs, c'est pas cool. Voilà. Parce que oui, tous ceux qui sont derrière ce site veulent vous voler votre argent, vos cartes de crédit, votre email, vos comptes, tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce site? On peut voir les activités récentes. Donc voilà, toutes les personnes qui gagnent des V-Bucks, c'est incroyable. Le mec, il vient de gagner 100 000 V-Bucks, 30 000 V-Bucks, 10 000 V-Bucks. Oh, yo, les Suédois, ils sont chauds. Il y a pas mal de Suédois qui... On se calme. Ok, on va voir si, pour notre part, ça fonctionne. Je souhaite générer... Ah oui,
Ah oui, tu peux aller haut là, hein. Tu peux aller vraiment haut au niveau des V-Bucks, ok. Devoir prendre 69 000 V-Bucks, ne me demande pas pourquoi. On clique sur générer, et là il va me demander your username email. D'accord, il ne me demande pas mon pseudo, il peut me demander mon email. Mais on va quand même mettre mon pseudo Jean-Fils, ma plateforme est PC, PS4, ok. Donc on peut choisir entre PC, PS4 et Xbox One. Par contre, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas mobile et il n'y a pas Switch, mais bon, c'est pas grave. On clique sur continuer. Processing, ok, donc là il va charger les V-Bucks, j'imagine. Ah non, il se connecte sur mon compte, j'avais oublié. Ah ouais, la plateforme PC, voilà, il calcule le serveur, t'inquiète pas, tout est sécurisé. Je rigole, bien évidemment, on est là pour se foutre de la gueule et pour. Enfin, je fais aussi pour cette vidéo en cas de prévention, parce que je sais qu'il y a d'avance, qu'il y aura pas mal de gens sur ma vidéo qui vont se dire putain, j'aimerais bien savoir comment avoir des V-Bucks gratuits et tout. Ce n'est pas possible, la seule façon d'avoir des V-Bucks gratuits, c'est soit tu mets de l'argent dans le jeu, soit tu participes à des concours, mais encore là, c'est chaud parce qu'il y a des gens qui font des fake concours. Bref, tu m'as compris. Parce qu'en général, les gens qui se font avoir sur ce genre de site, c'est des gens des jeunes personnes, voilà, des pré-ados, des enfants et tout qui se font avoir par ce genre de site. Je suis une ancienne victime. Voilà, à l'époque, je me faisais souvent avoir par ce genre de site. Mais bon, voilà, je fais cette vidéo en cas de prévention pour vous dire que ben, c'est dangereux ce genre de site. Ok, donc Tiny nous demande de vérifier. Waiting for human verification. Mais je clique sur ton putain de bouton rouge et ça ne fonctionne pas. Bref. Bon, je pense que vous aurez compris que l'human verification, c'est-à-dire, ben, c'est le même truc qu'on a eu juste avant là. La chose qui va te demander ton mot de passe, il peut te demander plein de choses, il peut te demander ton mot de passe, ton email, en général c'est la carte bleue. En général, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire bravo, vous avez gagné 100 €, mettez votre numéro de carte bleue pour récupérer votre gain. Il y a vraiment des gens qui mettent leur carte bleue. What the fuck, bro? Moi j'ai envie de mettre des claques à ces arnaqueurs. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner effectivement. J'imagine qu'en fait les serveurs ils sont saturés tellement qu'il y a de gens qui essaient d'avoir des V-Bucks gratuits. Oh my god. Bref, on est parti pour aller sur un troisième site, un troisième générateur. Espérons que celui-là fonctionne parce que pour le moment j'ai testé une dizaine de sites. Bordel de merde, ça ne fonctionne pas. Comment fais-je pour avoir des V-Bucks? Oh my god, ce site, 1 million, je peux gagner 1 million de V-Bucks gratuitement. Oh putain de merde. Oh putain, je vais pouvoir m'acheter tous les skins. Oh, obligé, je me prends 1 million. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander là? J'ai demandé 1 million de V-Bucks. Ok. Oh, ça charge. Oh putain, je suis excité. Je vais pouvoir m'acheter tous les skins, les gens. Gratuitement, sans dépenser 1 seul euro. le jeu d'acteur de Jean-Philippe, c'est magnifique. Bien sûr, je pense que j'aurais compris. Hein, si tu es toujours là sur la vidéo et tu ne comprends pas en fait que c'est du fake. Ben, je t'explique pas non en fait. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est du fake. Ce n'est pas possible. Voilà. Congratulations, this is the last step. Final. Ok. Félicitations. Maintenant, la dernière étape pour récupérer votre 1 million de V-Bucks. 1 million de V-Bucks, ça équivaut. Attends. Ça équivaut à 10 000 euros, mec. 10 000 euros gratuits, mec. T'imagines. Gratuitement. Donc, il nous demande de vérifier notre compte en le vérifiant si on a un humain ou pas. Eh ben voilà, c'est exactement. Voilà, on va aller sur un site, un exemple. Wind an iPhone 10. Putain, c'est en néerlandais, frère. Donc là, par exemple, il m'amène sur un site. Je peux gagner un iPhone X. Tu vois, ça s'enchaîne et on n'arrive à rien. Au final, il va me demander ma carte bleue et tout. Enfin, un gros bordel. Bref. Troisième site, ça ne fonctionne pas très bien. Passons au quatrième générateur. Ok, celui-là il ressemble fortement à un générateur que j'ai déjà utilisé, mais ce n'est pas le même, mais quand même, hein, tu vois sur Google, il y a pas mal de générateurs comme ça, d'arnaque, il y en a des centaines et des centaines, c'est un truc de ouf, et ces gens, ils arrivent à quand même blinder gagner, bref. Entrée username, on va mettre notre petit pseudo Jean-Fils, hein, je vais pas changer de pseudo quand même, il faut pas déconner. Et combien de V-Bucks pouvons-nous générer? Donc là, c'est 50 par 50. On va peut-être. Ah, ok. Là, c'est 1000 V-Bucks minimum. Qu'est-ce qu'ils sont radins comparé aux 1 million qu'on a eu juste avant, tu sais? Allez, on va partir sur un générateur. Ok. Processing. Connecting. Fetching data. Get variable. Get username. Get IP address. Donc, il arrive à avoir mon IP address comme ça, tranquille. Ah, d'accord. Oh! Ah!
Est-ce que ça fonctionne? On voit les V-Bucks qui sont remplis, d'accord. On a le générateur, username. Ah, la vérification, bien évidemment. La vérification, si je suis un humain ou pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc on clique. Je clique, mais ça ne fonctionne pas. Tu vois, une fois sur deux, les sites, ils fonctionnent pas. Tu vois, je sais pas ce qui se passe, bref. C'est triste. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo en mon compagnie où on aura testé des générateurs de V-Bucks gratuits, effectivement. Comme vous avez pu remarquer, eh ben on a eu 0 V-Bucks. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura prévenu pour toutes les personnes qui pensent que c'est possible d'avoir des V-Bucks gratuitement. Non, ce n'est pas possible. You know, ce n'est pas possible. Voilà, donc ce fut une vidéo de prévention. N'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouce bleu. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Abonne-toi, ma chère équipe, si tu n'es pas encore abonné. Et pour après, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!